Alors aujourd'hui, on est venu dire à la ministre de la Culture que les fuites d'eau dans un bâtiment neuf, que les départs d'incendie, que les ascenseurs qui dysfonctionnent, que la climatisation, le chauffage qui est absent dans certains espaces, dans les salles de lecture, que les lumières qui ne fonctionnent pas dans les salles de lecture, à part d'agiter les bras pour que la cellule photosensible puisse relancer la lumière dans la salle de lecture, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on est venu, on est une centaine là, je pense, aujourd'hui, pour dire « ça suffit ». Alors, quelques infos quand même. L'intersyndicale CGT, FSU et Sud a demandé un rendez-vous au ministère de la Culture. On a eu la réponse hier. On a rendez-vous avec le ministère le 15 pour leur dire que c'est plus possible. C'est plus possible ces aménagements qui dysfonctionnent. C'est plus possible la programmation des locaux à l'orée de 2021. Savoir quand même que, entre-temps, l'intersyndicale n'a pas fait que ça. Une pétition aussi a tourné autour dans les services. En 3 jours, on a récolté plus de 200 signatures. 200 signatures sur ces problématiques. C'est dire l'inquiétude et le ras-le-bol des personnels. Aujourd'hui, on se retrouve avec du chauffage qui ne fonctionne pas, des climatisations qui ne fonctionnent pas, des magasins où il y a des collections patrimoniales où il fait trop chaud, des magasins où il fait trop froid. Ça, c'est pas très grave, les documents sont cotants. Par contre, les collègues dans les bureaux où il fait trop froid et les salles de lecture, les lecteurs sont beaucoup moins contents.